Hello? Ah voilà. Bonsoir YouTube, bienvenue. On est donc sur Privateers avec Psyka qui va me seconder. Elle ne jouera pas vraiment pour ce jeu-là, mais pour le prochain. Donc on est sur Privateers, un jeu développé donc par Monster Tree. Monster Tree. C'est un roguelike apparemment. Roguelite dans lequel on va gérer un petit équipage ou embaucher un équipage pour aller se balader sur les flots. Et donc voilà, on va essayer d'explorer ça un petit peu. Je vais juste éventuellement baisser un petit peu la musique. Tu abuses, effectivement tu as vu. Les options qui arrivent, voilà. Ah merci. Ok. Lock curseur, mute, c'est on va regarder comme ça. Donc, c'est en anglais, donc voilà, je vais faire ce que je peux comme d'habitude. Les modes, le mode trésor, dans ce mode, for the mode, donc, c'est le mode normal, j'ai l'impression, des humains normaux pour être riche. Ça importe peu la manière dont vous accomplissez ça. Vous devez récolter 50 000 gold pour satisfaire votre faim et voilà, réclamer la victoire. Le mode héros, vous devez vous prouver à vous-même. To be the utter epitome of courageous and good. Vous êtes le plus courageux et le meilleur. Vaincre les démons. To the land, à travers les pays, enfin le terrain, enfin, bref. Until you are by all peoples and races. Jusqu'à ce que vous soyez comment dire, reconnu par tous les gens et toutes les races quand vous avez une réputation de 100. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir la réputation à 100. Ici, c'est d'avoir 50 000 gold. Et ça, c'est le mode normal. Villian, d'avoir moins 100 de réputation. Titan, c'est d'avoir les Massive Titan Monsters. D'accord, vous avez des titans à combattre. You have 10 weeks in order to confront them. D'accord, on a 10 semaines pour détruire tous les titans. Et le mode infini. Voilà, il n'y a rien de plus plaisant que ce toil, je ne sais pas ce que c'est. Le truc continu de l'humanité. Vous ne pouvez pas gagner. The best you can hope for is to survive as long as you can. Le seul truc, c'est de survivre, en gros. On va faire un mode trésor, évidemment. On va autoriser le tuto. Et on va sélectionner notre crew. Du coup, on a le capitaine, Captain Smith. Un simple capitaine qui espère trouver la fortune. Il est corsaire. Ability Warcry. Parce que Hunter a sub. Enfin, resub pour 4e mois. Donc il me le prévient. A sailor with the best eye around. Donc, un archer, burst shot, tir brûlant. Tir explosif. Oui, tir explosif, pardon. Brother Gérald. Ah, Gérald de Rive avec nous. Ouais. Le chat, tu lâches la mouche. Il est fou. Un moine. A of considerable repute, skill in the arts of healing. Ah, un heal. Vague de soins, très bien, on prend les trois. Select your starting crew, three crew members, ok. Notre bannière. Celle-là, ouais. Évidemment. Oui, c'est obligé. D'accord. Alors, welcome to Privateers, Captain. This tutorial will quickly teach you how to play. On va vite apprendre à jouer. You shake your head, vous secouez votre tête. From long daydream. Rapidement, vous regardez un petit peu ce qui se passe autour. You're on an island. Exploring. Ok, on est sur une île pour explorer. Espérer trouver un trésor. Je vais trouver ce loot, ce trésor. Même si c'est la dernière chose que je fais. Pourquoi est-ce que quelqu'un irait laisser un trésor sur une île? Ozik! Yup! Ozik! Ozika! Même!
Ozika et Alekos. Ozika, mon nouveau nom. La reprise du taf est dure. Ah oui, ça. Ça, c'est Ozika. clair. D'accord. D'accord. Du coup, ok. On peut pas aller à droite. C'est bizarre. Ah, je viens d'utiliser la potion de heal. Mais non, mais j'ai pas besoin de. Yo, crew member display here. Donc là, on a notre groupe. Selected by clicking them or pressing the tab key. D'accord. Let's learn to move around. Left click, clic gauche. And drag. D'accord. On peut en sélectionner que un ou plusieurs. Your crew stops and listens for any. Votre groupe s'arrête et écoute d'éventuels mouvements. Il n'y a rien à part un silence de mort. Ça doit être safe aux alentours. Ok. Le trésor est là. Eh ben, Regarde tout le Darkwand loot. s'en récupère. Alors, je voudrais que. Lui, c'est le mage. On va prendre ça. Tu vois. Lui, il peut, évidemment. D'accord. Y a plus de place. Seconde. Pourquoi je peux pas prendre la Dark Wand? Dragon item for here down to one of the characters. C'est ça? Non. Tu la mets en bas, non? Ah. Si, si, ça doit être ça. Mais du coup. Ah oui, ok. Si, c'est ça. Donc lui, il a une. Oui, donc non, on va. Lui, il a une épée, mais. 7,3. Donc, on augmente les dommages par seconde. De 7,3. L'attaque speed aussi, on l'augmente. Et là, on augmente ouais, de 3,8. Activate taunt enemies and give more speed and attack speed bonus to allies. D'accord, apparemment on peut activer un truc, ou alors c'est activé de base. Oui, c'est une masse magique. Donc on peut taunt, on peut attirer les ennemis et donner un speed au mouvement et à l'attaque. Donc si je fais ça. Ok. Shoot as loud as you can to. Intimidate them. Ah, et on entend du bruit à distance. Et donc du coup, a priori, on n'est pas tout seul. Donc on va crier. Ah, c'est ça le Warcry. C'est la capacité du corsaire. D'accord, malgré l'énorme cri qu'on pousse, il continue à venir. Très bien. Ah, ok, donc. Ah, tu peux mettre pause. Ok. D'accord. Stylé la musique. Très sympa. T'es vraiment dans l'ambiance pirate et tout. J'aime bien. Donc on va faire ça. D'accord. Il est mort lui? Non, pas déjà. Ah non, c'est bon la vie là. Ok. Et donc lui, on a décidé de faire un warp, un cri de guerre. Alors lui. C'est trop bien ça. Oh, on dirait FTL. Tu arrêtes le cours du combat, puis tu dis bon lui il faut qu'il aille là, lui il aille là. Et après tu lances. Ça te permet de réfléchir un petit peu. Donc ouais lui il va tirer sur lui clairement. Quoique. Ici, on va le mettre. Et lui, il faut qu'il tape lui. Ok, toi tu vas soigner le monsieur. Toi tu fonds dessus. Calendouille! Non! Super!
Mais je pensais pas qu'il allait se barrer. Ça va toi? N'hésite pas à attaquer. Hein. Non, pas toi. Ah, je suis pas là. Non, ça va. Juste le. Je chante. Ok. Très cool, hein, j'adore la musique. Tayo! Aïe aïe aïe, Musayon, partons de l'aventure. Mais je veux la même, un truc magique. Eh ben non. T'as pas le niveau. Non, je chante pas avant. Pardon? Calme. C'est pas chanter. C'est un peu plus lipé. C'est quoi ça? Leave Highland. C'est très cool. J'aime bien. Hop, on va se soigner. Hein. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de barre de magie en fait. C'est quoi ça? C'est l'XP. Très, on est à 1136, il nous faut 10 000. Hein. Hey, coucou Golosso. Eh ben écoute, ça va très bien. Heureusement, ça va très bien. Enfin, d'ailleurs, je la vois même plus. Parce que le logiciel est bien fait. Hop. C'est très cool. Ça fait plaisir. Coucou. Ça va? Tu ne stream pas d'ailleurs ce soir? On fait quoi? To exit the island, find... Ah d'accord. Mais moi je veux ça par contre. Pourquoi Mais parce que ça n'a pas été ton niveau. Il te le laisse là parce que je pense qu'il peut peut-être faire un ou deux combats puis après tu pourras la choper. Non. Si. À moins que ça j'en ai trop. Non. Ah, non mais... Repose ça. Ok. Ah, tu vois? T'es mauvaise langue. J'étais folle. T'es mauvaise langue. Tu peux pas la mettre. Mais si. Level 2. Ah, peut-être pas. Ah, tu vois? Je sais pas, on voit pas les niveaux. Moi, je crois pas. Si. Non. Brother Geralt. Ce qu'il veut. Allez. C'est bizarre. Je sais pas, peut-être qu'au final, le niveau de l'arme. Enfin, le niveau des persos n'influe pas sur le. Tu peux l'équiper, mais tu peux pas l'utiliser. Peut-être aussi. Ça arrive, je sais qu'il y a des jeux qui le font. Some decisions affect your reputation. A positive reputation makes you into a hero. Negative reputations makes you into pirate overlord. Your crew makes their way back to their ship, but it could become immediately evident that they are not alone. One of the pirates has made his way on board already. Seeing that his comrades are dead, he immediately surrenders and begs for mercy. Du coup, il y en a un qui s'est faufilé sur le bateau, et comme il voit ses potes morts, eh bien, s'il vous plaît, me tuez pas. Il mendie, enfin oui, il supplie, voilà. Pour la pitié. Throw him overboard and let him swim. On le balance par-dessus bord et on le laisse nager. On a vu assez de sang aujourd'hui. Ou on le tue. Ah. On le tue. Il l'épargne. Ah oui, donc c'est pas du tout le même sens que ce qu'on a dit en fait. Bah si. Là c'est à moi de l'épargner. Soit je l'épargne. Ah, j'ai cru la traduction de Baze. De cheveux. Il se rend et le prix. Non, on le tue. C'est plus pas ça, merci. Mais non, quoique, c'est vrai que c'est l'ambiance pirate, tout ça, on est. Non, quand même, pas direct. Je sais pas si. Oh, on va peut-être le. Non, voilà, pas direct. Oh mince! Oh mince! Partons au port! J'ai pas fait exprès, hein. J'ai vraiment mis ce clic, hein. Sail! Oh, quelle violence. Mais non, tout va bien. Pour les joyeux pirates. C'est ça, ah oui. You can press tab, achieve tab to select the next member of your crew. Quoi? T'as jamais vu un accent anglais comme ça? Magnifique. J'ai l'impression d'être bilingue. Ouais, l'impression. J'ai l'impression. Library. Learn about the world. Enlève-toi. Il est où? J'ai peut-être retourné faire l'alarme. Welcome to port. This is where you can prepare your crew between adventures.
Okay. D'accord, click to continue. Explore the tavern to hire a new crew or talk with patrons to get information about new adventures. Très bien. D'accord. You can buy and sell new items for your crew at the merchant. Très bien. Equip your crew and view their stats at the inn, à l'auberge. Purchase upgrades for your ship at the harbor. D'accord. Unlock new things to learn about the world at the library. Très bien. Select your ship. Oui, mais on a mis go and have okay. Donc, calmez-vous. That's all there. Très bien. Donc, du background. Eh, j'ai un succès dévoyé. Savoir-faire. Ouais, c'est bien. En français. C'est bien. Arbor. C'est au niveau d'anglais, ça. Yes, t'as vu ça? Ouais. Allez, on va chercher quelqu'un. Pourquoi on a la réputation mauvaise? Ça va pas, non? On l'a. Ah, mais non, tu on l'a tué! Tué en même temps! Non, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait, lui? On doit choisir quelqu'un? Il joue au dé, lui. Ouais, Gandalf. Interesting in playing dice, you never know. Maybe luck will be in your favor. Non, il pleut pas, moi, lui. Il me fait penser au gars dans Dungeon. Darkest Dungeon. Avec le. Ah, le oui. Médecin, là, avec le nez. Je sais plus quelle époque quand il y a la peste, je sais plus trop quoi. Odds improved. Odds. Non, non, on va pas dépenser des sous, on est là pour en récupérer. Un pirate avec une bonne réputation, c'est bizarre un peu. Bah oui, c'est pour ça. C'est soit on est le petit samaritain, ou le vrai pirate. Sally Fidelsby. There's an island far from here that has giants living on it. This seems a bit far from their home in the Talon Ridge Mountains. Perhaps they found something of value on the island. C'est quoi ça? C'est une quête? Level 1, average, sell time, 3 jours de. C'est une mission, non? Ouais, c'est une quête. Ouais. Il faut les payer les quêtes! Il faut les acheter! C'est lamentable! Wasted peasant. My mates and I found a very interesting looking cave while out sailing. For a small amount of coin. We can tell you where to find it. Maybe pirates have hidden treasures there. Et lui, c'est quoi, lui? Count Danny's officer. I found a particularly special item while I was wandering about on the beach the other day. If I have the gold, I'm willing to sell it now. Une arme héroïque. Oh, c'est cher, oui. Assez rare, quand même. Ouais, on va essayer d'avoir un peu de sous avant. On va aller voir mamie. Oh non, c'est bon, tu l'as pris. Mamie, c'est bon. C'est quoi ça? By weapons, armor and trinkets. Une amulette d'ange. Plus 18% de dommages. Plus 10 de régène par seconde. Increase defense of allies in this area. Base. Oh. Ok, au moins là, c'est trop puissant ça. Plus de vie, plus de dommages et plus de résistance pour tous les ennemis autour. Après, level 2 est de meilleur. Ouais, 1200 même. Mais on les voit où les niveaux? Sur tes bonhommes? Ah, sur leur fiche. Ah. Là, ouais. Je peux pas les avoir, mais je te les montrerai après. Fearsome Dark Wound. Ouais. Ah oui, mais du coup, ça... Ouais, voilà. Elle est meilleure en quoi? Threat, 90%. L'arc, meilleur aussi. Vitesse d'attaque, plus 27%. Et ça double quasiment les dommages par seconde. Spiked Plate for... Of fortune, on peut pas l'acheter, c'est trop cher. Bon, pour l'instant, on va garder notre stuff qu'on a là, on va pas trop s'embêter. On peut peut-être vendre quelque chose par contre. La petite dague ici. Comment on fait? Je te la donne? D'accord. Clic droit. Très bien. Embarque, non. Manage and equip your crew. Non, bah tout va bien. Donc voilà les niveaux ici. Hein. Donc, de toute façon, il faut que la petite barre violette qui est ici. Se remplissent, je pense. Donc là, pour l'instant, on en est loin. Le marchand, la taverne. Ok, tout est level fou. On peut acheter. Ah, c'est ce que j'ai. J'ai une sloop. Ah, on peut acheter des catch. C'est quoi ça? C'est des vaisseaux.
Basic size. Small cabin. Crew size of 3. Crew. Increase max crew size Ah, mais ça to t'en 4. fous. Bah non. Bah, 4, tu t'en fous. Non. Bah non, parce que je. On est que 3 pour l'instant. Donc Oui, ça me oui, permet oui. d'avoir une personne en plus. Mais bon, pas trop s'amuser à acheter plein de trucs, on sait pas trop, on aura peut-être besoin de ça plus tard. Perfecté. Catch. Ouais. Réduit le temps de traversée de 20%. Augmente l'expérience gagnée de 25%. Réduit les cooldowns de 20%. Permet d'acheter et de vendre. Avec des prix plus intéressants. Plus d'expérience. Bon, on va garder ça. Bon, allez, on est parti. On doit aller là, visiblement. Oh, Land of the Giants. Mais j'ai pas envie de combattre les géants. Ah, en plus, il y a une date d'expiration. C'est comme sur les yaourts. Let's go to find out. You arrive at the island and see an array of Ravenmen. Oh, and Giants. Ravenmen. Des hommes corbeaux. Et des géants. They seem to be working on a large project involving a local cave. Ils sont en train de travailler sur un grand projet au niveau d'une caverne. Peut-être que c'est pour ça qu'ils sont là. Sûrement. Et c'est des ennemis? Ou pas? Au secours. Ok. Pff, je les tape pas, je les tape pas, je les tape pas. Allez, les géants. Des géants hostiles ou. On peut leur Non. parler? J'ai pas envie d'essayer. Ok, à lui. Peut-être que Malark, on peut lui parler. Comment on fait? Tu cliques dessus. Non mais j'ai peur, si je fais un clic Mais droit niveau j'attaque. 1. Mais oui, mais non, mais ils sont 10, niveau 1. C'est pas grave, tu verras. Oui, bah si Faut je meurs, c'est de ta essayer. faute. Faut essayer. Ah mais tu peux même pas. Clic gauche, mais ça marche. Hello there, my name is Malark. What brings you to this island, travelers? Salut tout le monde, mon nom est Malark. Qu'est-ce qui vous a amené sur cette île, voyageur? La curiosité. On a entendu qu'il y avait des hommes corbeaux sur cette île, avec quelques géants. Seems to be an unlikely pairing. Je sais pas ce que c'est, pairing. Ah yes, indeed it does. Both of our kinds live within the same mountain range. Stone Ridge Mountains, have you heard of them? Est-ce que vous avez entendu la montagne Talon Ridge Mountain là? Oui, évidemment, qui n'a pas entendu parler de cette montagne? Allez, un peu de background. Well, once our species evolved into. Mais ce sont vraiment des hommes corbeaux, très bien. Evolved into what you see today, we explored the mountain range and found the giants. It turned out to be a very talented bunch. They can't communicate too well, but they can craft items like no other. Très bien. Oh oui, ça. Quel type d'item est-ce qu'ils craftent? Ou, intéressant, mais pourquoi est-ce que. Mais comment est-ce que vous êtes des alliés? The giants craft all sorts of weapons, armor and jewelry, c'est-à-dire, from the ores and minerals found deep into the mountain. Ok, ils minent la montagne, tout simplement. We made a deal with them. We would go into the world and sell their goods for a piece of the profit, of course. D'accord, en fait, eux servent d'intermédiaire entre les géants et les gens de manière générale. Et du coup, ils font la traversée pour vendre les pièces des géants. Évidemment, avec une petite commission au passage. So what brings you to this? Qu'est-ce qui vous a amené ici? Certaines personnes ont trouvé une caverne avec des veines de minerais, de minéraux, de minerais, qui pourraient servir pour du craft. The cave seems to be filled with all sorts of. Ah d'accord, il y a des morts-vivants dans cette caverne. Peut-être que je peux aider avec ça. Je vais aller voir ce qui se passe dans la caverne et puis on verra ce qui se passe. Très bien. C'est ici, visiblement. Mais c'est qu'il y a du peuple.
On peut tous leur parler, ceux-là, là? Savez-vous que nos personnes, nos gens, ont évolué à partir des corbeaux? La fontaine magique. La chute d'eau, pardon. La chute d'eau magique de notre montagne a accéléré notre processus d'évolution. Super! Qui s'en fout? Go! Bon, ok, on est arrivé sur une île avec des gens bizarres. On peut dézoomer. On arrive dans la caverne et immédiatement on entend le son d'un struggle. Étranglé, moi. Étranglement, je sais pas. Non. There seems to be a fight, oui, c'est ça. Des cris, des machins. Let's see what's going on there. Ah, ok, bah vas-y, attaque. Très bien, calmez-vous. Des morts vivants! Lui, il a pas un tir spécial, c'est quoi? Burst shot? Mais il y en a 4 à dispo. Non, ça touche 4, très bien. Fire fly with 6 arrows for 10 damage each. Attends, ça c'est la distance à laquelle il va réussir à toucher l'ennemi, c'est ça? À se mettre là, là. Je sais pas. On va essayer, on verra. D'accord. Il a balancé 10... Ah, il est bon. 10 flèches dans la tronche. De quoi? Il a tué quelqu'un? Non, je vais pas le soigner. Bah si. Ah bah peut-être pas les squelettes, mais mes potes en tout cas. Et le monstre aussi. Tends-toi, avance un peu. Voilà. Maintenant, tire sur lui. Voilà. Mais c'est trop facile en faisant pause. Mais je peux faire pause, je vois pas pourquoi je le ferai pas. On n'est pas là pour faire les bois, on est là pour gagner. Calmez-vous. C'est très bien de faire pause. Jamais je vais lifter elle, toi, ça se voit. Tomb of Shadows become invisible for 6 seconds so that enemies will not attack you. Ça pourrait être pas mal pour le heal. Je peux mettre ça là? Oui. Ça par contre, une arme de mêlée, ce sera pour le monsieur. Beaucoup plus rapide en dommages par seconde et plus 21% de dommages. Par contre, il peut taunt avec la masse. Bon, on va voir. Ok. Toi, un géant qui parle. You, help us. Points further into cave. More bad. I can take care of it. Ok, calmez-vous. Calmez-vous. Il y a quelque chose en bas là? Mais oui. Mais oui. J'ai pas rêvé. J'ai vu un grand billet. Go! You make your further into the cave and start to hear sounds of enemies wander. Il y a plus de. Il y a des gens là, il y a encore des undead. Ah si, il y a un géant là. Malgor. Robot artificial have worked with technology so much that they have modified most of their bodies with their creation. Des robots artificiels ont tellement travaillé avec les technologies qu'ils ont modifié une majeure partie de leur corps. Ils ont fusionné un petit peu leur création et leur corps. Très bien. Creepy. Qu'est-ce que c'est que ça? El géant? Ah, je crois qu'on a pris un shoot. Du coup, c'est bon. Pas du tout. Il s'en fout. Très bien. Je suis heal, je vais soigner. On voit la vie du capitaine qui redescend à fond. Non mais il faut aller le taper en fait. Ok, capitaine. Who remembers? Health is already full.
Mais non, pas lui. Merci. Tapez-le. L'archer, il peut tirer encore. N'hésite pas. J'espère que mon... Ton bonhomme, il prend cher à travers, non? Non, non, je crois pas. Non, parce qu'il serait déjà mort, mais il joue pas, moi. Ok, bon, ils prennent cher, quand même, hein, le... Le capitaine, là, il a pris cher. Bon, ça, on a dépensé une fiole, on a récupéré une. On est donc à zéro. Sympa, les petites musiques. Il y en a un autre ici, est-ce qu'il y en a d'autres plus loin? On va y aller un par un, ce sera mieux. On voit celui-là un peu avant. Ça, il y a des cooldowns qui sont assez rapides. Mais you. Allez! Allez-y! Mais trop, ça fait dégager le truc. Ah non, c'est bon, c'est que j'étais pas dessus. Mais... Ouais, faut tirer plus loin. Go! Mais il y a du monde encore là-haut. Tu peux zoomer, non? Je sais pas jusqu'où je peux zoomer. Assez près en tout cas. Les musiques sont trop bien, moi j'adore. Allez-y, go! Ça va, il shoot automatiquement. Putain, parfois. On a plein de vie, c'est trop cool. Venez ici, hop. Healing. Et même le travail sur les ombres et tout derrière le caillou. Alors c'est un roguelite, du coup je sais pas, je pense pas, mais je sais pas sur quel point est-ce que le côté roguelite joue. Je vais juste regarder vite fait ce qu'il en dit sur le... Page Steam. Attendez, je vais peut-être mettre pause. On sait jamais. Voilà. Every choice matters with permadeath and a single save. Discover the many fantastical factions and races. Assemble a crew with diverse skills and abilities. Choose to be heroic privateers or legendary pirates. Find an epic. Up new ways to play, explore unique tasks and adventures. During combat, players can take tactical control by pausing the game. Carefully orchestrating the various abilities of your crew. Non, c'est juste permadeath. Ouais. During encounter and reach faction. Backstory, a unique style of heavens. Non, je crois pas. Je crois pas que ce soit procédural. Bon, après, oui, non. Non, ouais. Non, non, non. Ça n'a pas l'air. Mais en tout cas, j'aime bien pour l'instant. C'est plutôt très, très bien fait. Très correct. Du coup, c'est bon là, on a vidé. Ah, oui, il y a quelque chose à me dire, oui. Oh, 500 gold. Item added. Item added, ça c'était très français. Item added. Chainmail, une armure, un cercle, je veux dire. Une bague. Et weight spear, une lance. Légère, a priori. Non, weight. Lourde, plutôt. Non. Ah si. Weight, c'est le poids. Si j'ai pas de conneries. It gives out a victory shout louder than you were expecting. You good. We happy. You have. This yours. Hey! Thanks in time. Viens là. Une chain mail, ça va être pour lui. Quoique lui en a déjà une. Bah si, de toute façon, j'aurais pas le choix. Je pense pas que l'autre puisse en porter une. Ouais, ça. Peut-être plus. Non. Très bien. Donc move speed plus 18% et la défense plus 5%. Tac. Activate fire flurry of 6 fireballs for 18 damage each. On peut lui mettre ça, hein, c'est lui le sorcier après tout. A spare.
Ah, moins de dommages par seconde que le cimetière. Par contre. Bah, il est nul surtout. Non, il y a du knockback. C'est du recul en fait. Quand tu tapes, ça fait reculer la personne. C'est pas ouf, mais ça peut, sur certains combats, machin, ça peut être utile. Quand c'est un gros sac qui vient de taper, tu préfères l'avoir à distance, du coup tu tapes de loin et en plus tu le fais reculer. Sachant qu'il y a l'archer derrière et le mage qui tire à distance. Ça peut être intéressant. Ça peut être effectivement intéressant. Ça limite un peu le corps à corps. Par contre, est-ce que justement on tape à distance, enfin un peu plus loin qu'avec l'épée? Je sais pas s'ils prennent en compte. J'ai pas l'impression. Y a pas la range. Donc je sais pas. C'est bien marqué weapon melee. Je sais pas. Est-ce que la masse c'est mieux? Ouais, non. Bon, pour l'instant, on va garder comme ça. Bah, c'est bien, on a du matos là. Oui, non, j'ai mis sur le. Alors, on va peut-être jouer différemment. Je vais peut-être mettre plutôt le chapiau sur le guerrier qui souvent en prend plein la face. Et la bague avec les boules de feu sur le mage. Enfin, le heal, qui est du coup un petit peu mage maintenant. Comme ça, le cac pourra se protéger un petit peu, enfin partir un peu hors du combat. Éventuellement être heal si besoin. Et revenir en forme. On peut sail comme ça? Oui, Tout à fait. Mais écoutez, moi j'aime bien. J'aime bien l'ambiance. ah. Your crew has come across something of interest while sailing to their destination. Oh non. En fait, c'est oui, il y a un assez gros côté FTL avec des events un peu aléatoires. Mais du coup, mixé avec un peu de roguelite et du combat. En... Même s'il y a moyen de faire pause. Ben, c'est bien, il y a un petit mix et tout, c'est très cool. Pendant que vous êtes en train de gentiment naviguer, voilà, vous voyez un grand groupe. Of fins, je sais pas ce que c'est. The port side of the ship. At first you think it must be sharks. Au début, vous croyez que ce sont des requins. Mais plus ils se rapprochent, plus il devient clair que ce sont des hommes poissons. Très bien. To defense. Alors, on va les regrouper. Parce qu'ils ont fait la force. Voilà. Ils sont beaucoup. Lui, il va envoyer une salle par là. Ils Attends, vont se attends, faire attends. défoncer par ces dalles. Lui, il va aller là. Toi, bah, au pire, vas-y. Balance la sauce. Toi, tu vas balancer une salle ici. Et toi, eh bien, c'est parti. Ok. Oh, il les a dégommés l'autre avec sa boule de feu. Je sais pas si t'as On vu, voit mais rien. il y en a plus. Hein. Je vais taunt. Enfin, je vais aggro. Voilà. Ah, c'est bon. Hop, comme ça. Toi, tu fais toujours quoi, toi? Ah Easy. bah. 279 gold, la bataille est terminée. Et vous ramassez le loot sur les cadavres. T'as la boule de feu, il y en avait deux devant lui. Bon. Dégommé. Et bien, continuons. On va se healer un peu quand même. Ça l'a éclaté. Enfin, ça les a éclatés d'ailleurs. Incroyable. Toi, tu veux, Darius? 2 secondes. Ah non, cooldown 14 secondes. Ok. On continue notre périple. Oui. Allez. Hint. Remember to pause the game by pressing the space bar. This will give you time to think through a situation and give orders to your crew. C'est trop bien ça, les phases comme ça où tu mets sur pause et puis bon. Toi tu fais ça, toi tu balances ça, toi tu Une vas là, toi balance tu sur vas là, toi tu dessus. vas là, toi tu vas là. Mais c'est la stratégie. C'est pas forcément pour ça que tu as gagné. J'adore ce Bon. côté-là, stratégique. Ah, ça a changé, d'accord. Oh, le papy, il me plaît bien. Et non, c'est lui qui veut jouer au dé. Le papy, il fait peur. Qu'est-ce que t'as à nous donner? On dirait une statue, c'était le droit et tout. Balthazar. Bitter Balthazar. You look like you could use more crew.
What do you say? Ah, il nous... Alors oui, probablement. J'ai pas encore téléchargé la démo, mais oui, oui. J'ai pas encore acheté, j'ai pas acheté le jeu. Il faut que je vois combien il est, mais ouais. Là, j'ai pas fait. Hein. J'ai fait des jeux sympas. Hein. C'est pas des jeux de merde. J'ai choisi parce que voilà. Mais j'ai pas voulu faire de gros jeux. J'ai chopé un jeu là qui a l'air trop bien. Enfin, je voulais le faire depuis longtemps. Et pareil, je le ferai la prochaine fois. Plus un autre jeu aussi. Voilà. Enfin bref. Et d'ailleurs, j'ai un autre jeu aussi à vous montrer. J'en parlerai plus tard quand j'aurai tout ce qu'il faut pour faire un stream correct Je avec. leur explique. Alors. Rigole. Je mute et puis voilà, je te dégage et puis on n'en parle plus. Non mais ouais, j'ai un jeu bon, avec une histoire triste derrière, mais un jeu qui a l'air trop cool. Bref, on le testera aussi. Your crew is full. Upgrade your cabin to hire more. Désolé papy. C'est un moine, mais on n'a pas besoin de moine. On en a déjà un. Qu'est-ce qu'il fait à terre, lui, avec son filet de pêche? Fisherman. C'est un pêcheur. Oui, c'est pas des hommes poissons. C'est pas Fishman, c'est Fisherman. Tout à l'heure, c'était des Fishman? Ou des Fisherman? Fishman. Fishman, ouais, je crois ça. Ok, donc si, en fait, tout à l'heure, c'était bien des hommes poissons. My mates and I found a very interesting... Bleu et tout. Oui, c'est vrai. C'était même des hommes hauts. For a small amount of coin, pour 116 gold, il nous donne sa carte. Et bah moi je dis oui. Est-ce qu'on prend toutes les cartes ou pas? On a des sous, on peut se perdre. Oula. 366. Looking for treasure. I know a place, but it won't come cheap. I would go to there myself, but they've been strange ones. Hanging around lately, and I don't like the looks of them. Don't say I didn't want you. Je connais endroit, mais il y avait des gens un petit peu bizarres là-bas. Je n'aimais pas trop comment ils avaient, enfin la tête qu'ils avaient. Ne dites pas que je vous ai pas prévenu. Bah écoutez, on va prendre ça aussi. Et lui, qu'est-ce qu'il va nous dire? Free. Bah voilà. About the times my ship was overtaken by the undead. Oh, you don't believe me? Saying that I'm old, washed up sea dog? Well, then I dare you to go and investigate for yourself. I will show you where if you're worse. Arrête! Yeah, I'm talking about tellement à l'anglais que je comprends. American? Oh, s'amuse. Je comprends rien, heureusement j'ai le texte parce qu'on a là. Est-ce que tu comprends le texte? Non. Mais mieux que toi. Mieux que moi, tu te calmes. Fatiguant. It's my American accent. Ouais. You know? C'est quoi ça? Electric Earth Scroll. Terre électrique, très bien. Non, bah nous on est très bien, on n'a pas beaucoup de toute façon, on va les garder parce qu'on a un objectif et on n'est pas rendu. Sloop, sloop, sloop. Tupulup, pulup. Bonus gold, ça pourrait être intéressant. Sail. Allez, une petite 10 minutes, on y va, on va où? 3 jours. Expire dans 10 jours. 4 jours. Ah oui, d'accord. C'est pas forcément une bonne idée d'en prendre beaucoup parce qu'il y en a qui vont expirer. Et donc, du coup, tu vas y aller. Bon, là, c'est 4 jours. Celle-ci expire dans 10 jours. Donc, celle-ci, on va la faire en dernier. Time to sail. Time to sail. Donc, on va aller à celle-ci, celle-ci et ensuite la dernière. Normalement, ça devrait le faire. Mais la cave, t'as déjà fait? Strange people. Ouais, on va faire ça. Non, bah ça doit pas être la même. Ça doit pas être la même. Ah. Pendant que vous naviguez by barren shore, you notice the mouth of a cave hidden inside. Très bien. Ça peut être une... un endroit caché. Listening carefully, you think that you can hear distant noises coming from the cave. The sounds are like a faint calling of a rain. Ok, il y a du bruit.
C'est pour ça quoi. Ça va. Écoute. Oh putain. Il y a des ghosts. Qu'est-ce que c'est un caillou? Est-ce que t'as vu la gueule que tu me tires sur le screen? Mais parce que je suis à fond dedans. N'hésitez pas à lui faire des retours parce que. Tu vas te calmer tout de suite. Tu vas te calmer tout de suite. Putain. Dans ta face. Revenez. Oh, c'est malade. Je vais faire ça puisque le gars va aller à l'attaque. Oh putain, mais il y a trop de monde! Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous! Oh, ça va, aller trop contre là. Ouais, j'avoue, ils sont Pauvre tous les trois bonhomme. Corps à corps, il s'est tabassé. Il fait quoi? Il se protège! C'est peu. Toi, viens là! Hop! Petite salve par là, et toi. Bisous à l'Écosse! Ça marche, bonne merci nuit. Beaucoup à l'Écosse d'être passé! du soirée, coup, à la semaine prochaine! Je sais pas si t'as entendu, je sais pas si t'as ah vu oui. sur exact. Les internets, mais du coup, la fin de semaine, je serai pas dispo. Il y a la belle famille qui arrive. Du coup, on repart au taquet la semaine prochaine. Aussitôt commencé, aussitôt terminé. Mais non, oh, tu te calmes. T'es mauvaise. Allez, mais toi, mais bouge tes fesses! Attaque! On recommence. Et toi, il attaque qui? Il attaque personne, mais c'était feignasse. Voilà! Vas-y, vas-y, vas-y! Les trois, vas-y! Tiens. Ok. On se calme, on se heal. Yes. Oui, je suis content. Hop. Mais là, je suis content. Et toi, là, attaque. Genre, il nous l'a fait sans pause, là. Non. Tayo. Et tu vas te heal. C'est mieux, j'étais pas dans le cercle. Ouais, c'est clair. Ah, putain. Allô? Vous voulez bien attaquer le monsieur, s'il vous plaît? Il s'enfuit. Mais attends, j'ai combien d'anneaux là? Vous aussi, là, un anneau? Ah non. Un anneau pour les gouverner tous. Oh putain, il a fait tuer son mec. Heureusement qu'il n'y a pas de. Ouais. Il n'y a pas de tiramis parce que là, il m'aurait mis. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, il y avait du challenge. Challenge accepted. Il y en a un là-haut. Ok, il y en a un ici. Là. Mais c'est lui le plus endommagé en fait. Bref. Ah c'est chiant, si, vas-y. Tac, tac. Vite! Hop. Oh putain. Vas-y! Oh, j'ai loupé la flèche. Non, c'est bon. C'est bien, on récupère pas mal de potions. On évite de mourir. Hop. Un trésor. Vite, 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 vite. Bref, vite. À la terre. Quoi? Mais il s'en mêle. J'avais un anneau. Ah mais non, c'est moi qui m'en mêle.
Mais reviens! Il se casse! The ghostly apparitions have been removed for the cave and you can now explore safely. Ok. Une autre toque. Un coffre. Yes. Une grosse hache. Donc là, on a tué tous les... Oh oui, il y a un autre trésor. Un autre coffre. Bon, et ben écoutez, easy. Il a single character 20. Wow, 170. Qui prend ça? Lui il a quoi? Qui become invisible? Ben, écoutez, on va peut-être mettre l'invisibilité sur, sur l'autre là. Mais j'active déjà, mais il faut juste que je clique sur le chapeau en plein combat, j'imagine. Genre ça. C'est ça. Ok. Une arme à distance. Plus de dégâts par seconde. Et du knockback. Très important le knockback. Lui, il a une, un cimetière. Une hache à. Je sais pas, demain probablement. Tape moins vite forcément. Gold drops, plus de sous. Il fait énormément de dégâts en fait, mon cimetière, il est trop cool. Threat. Très bien. Eh bien, on va rester comme ça. Would you like to return to the previous location? Non. C'était quoi la previous location? On veut juste save, nous. Paf. Time lapsed. Having a good reputation will earn you to discounts. Oh, on pourrait avoir des réductions si on avait une bonne réputation. Bon, c'est déjà trop tard, mais. Week 2, day 2. Reputation bad. Mais écoutez, on va arrêter là pour ce second jeu de ce soir. Pour une fois, on est dans les temps. J'ai beaucoup aimé le jeu. Il est très bien, les combats sont très cool. Le côté un peu stratégique, le mode pause, les différents tirs, les différents objets qui vous donnent des compétences, etc. C'est ce mode-là aussi avec la petite ville, avec un beau dessin, enfin, belles images. La capacité aussi à gérer un équipage. Gérer le bateau aussi, on peut vendre le bateau et du coup racheter un autre. Avec des effets également. Enfin, il y a plein de petites choses à peaufiner, à améliorer, à comprendre aussi. Donc voilà, c'est très très cool, très bon jeu. Donc c'était Privateers par Monster Tree. Je crois que le gars, il doit être tout seul ou presque. Il n'y a pas grand monde qui est derrière le jeu, mais jeu très très cool. Donc voilà, n'hésitez pas. Des gros bisous YouTube, merci à vous. Merci si vous êtes